depuis des décennies. Le monde vit dans la peur. Et le monde tremble. Les nations tremblent. Les hommes tremblent. Les rois de la terre tremblent. En tant que vrai chrétien, que devons-nous faire face à la crise actuelle? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Aujourd'hui, le peuple polynésien a besoin de ce feu qui descend du ciel. Il a besoin de se mettre en règle avec Dieu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nos dirigeants politiques ont également besoin de ce feu qui descend du ciel. Ils ont besoin de se mettre en règle avec Dieu. Aujourd'hui, les dirigeants spirituels du pays ont aussi besoin de ce feu qui descend du ciel. De se mettre en règle avec Dieu. Nous avons tous besoin de se mettre en règle avec Dieu, n'est-ce pas? La crise mondiale actuelle est un appel à se mettre en règle avec Dieu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Chaque moment difficile, d'autant plus quand celui-ci est mondial, est un appel à se mettre en règle avec le Dieu créateur. Donnez-lui gloire. Adonai, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un disait ceci. Le virus est invisible. Et toute la Polynésie y croit. Dieu est invisible. Mais plusieurs ne croient pas en lui. Et pourtant, Jésus est la solution à la crise. Ah, si mon peuple prie. Chers amis, la raison pour laquelle nous sommes en crise aujourd'hui, c'est parce que nous avons oublié de placer Jésus à la première place.
Dans nos foyers. Dans nos églises. Dans nos institutions. Nous avons manqué de lui rendre toute la gloire. C'est mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. S'humilie. Prie. Recherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Que Dieu pardonne et guérit la Polynésie. C'est mon pays. Et je l'aime.